Festival Artemon est un ensemble de plusieurs structures, plusieurs moyens, outils de communiquer. Nous avons découvert quelque chose de similaire à un festival qui s'appelle Artemigrante il y a 2 ans à Valencia et on a été tout de suite inspirés. Cette manière de communiquer l'art unit un message fort. Nous avons eu un atelier avec un certain nombre de femmes avec des problématiques différentes et qui se sont retrouvées au fait dans les situations qu'elles vivaient toutes chacune de leur côté. Elles pensaient être les seules et finalement cet atelier a permis de faire sortir des paroles différentes. Je pense que l'art, quel qu'il soit, en fait, est un transfert, je pense, de bonnes énergies. Il est important que l'art soit, d'une part, associé à des choses jolies et qui plaisent, mais aussi à des valeurs et à des actions comme celle à laquelle on participe là maintenant. L'art peut être une façon d'exprimer des émotions d'une autre façon qu'en les écrivant et d'impliquer d'autres personnes voilà, qui réinterprètent aussi ça, c'est important. Et puis de prendre de la place dans la rue et de s'exposer. En réalité, les femmes victimes de prostitution, femmes migrantes, c'est vraiment les dernières des dernières de la société, victimes de beaucoup, beaucoup de discrimination, beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes. Et pour nous, c'était du coup hyper important de pouvoir leur donner une voix sous forme d'art et faire entendre leur voix et ce qu'elles ont à dire pour être des citoyennes également à part entière. C'est de là, c'est du petit, c'est de notre réalité qu'on doit changer les choses. On peut quand même porter notre pierre à l'édifice en faisant une action qui puisse laisser la trace pour aujourd'hui, faire réfléchir les personnes qui passeront, qui écouteront, qui regarderont les œuvres d'art. Je pense que c'est quand même un pas. Ensemble dans le monde, chacun fait le sien. On a fait des révolutions, on l'a fait dans le passé. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire dans le futur.